Attention, il y a un coup de canon qui va tirer. Wow! Des clubs à qui les sert, donc de Fumet par exemple. Je prends un hasard comme ça parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis né à Fumet. Mais ils ne savaient peut-être pas qu'il y avait un club à Bavay ou qu'il y avait 22 clubs sur une île. C'est le plus petit, mais comme quoi la quantité ne fait pas la qualité. Donc un grand merci à tous. Donc le but de cette journée, c'était effectivement d'apprendre à se connaître, hein, de se mélanger, d'échanger des expériences, puisque les soucis qu'on peut avoir dans un club, ils existent partout. Et puis également, donc, c'était de joindre l'utile à l'agréable, à ce que nous savons faire en Rotary. N'oublions pas que notre devise, c'est servir d'abord. Donc je répète que la première cause du Rotary International, c'est la polio. Un bref rappel, c'est l'éradiction de la polio depuis 1985. À l'époque, en 1985, il y avait 1000 cas de détectés par jour, 360 000 par an. Alors aujourd'hui, il y en a à peu près une trentaine, parce que malheureusement, la polio revient. Et donc il y a une trentaine de cas dans le monde, essentiellement localisés en Afghanistan, en Pakistan. Et vous devinez pourquoi il est très difficile d'aller vacciner dans ces pays. Et je pense que cette cause internationale, il faut absolument la continuer et aller jusqu'au bout, même si ça fait plusieurs années que l'on dit qu'on est à ça. Et c'est très dur d'arriver à l'éradiction. Et là, je ne me permettrai pas de prendre la parole en lieu et place des médecins et professeurs ici présents qui sauront mieux le faire que moi. Et je pense qu'également, il faut qu'on sache prouver que le Rotary, c'est agir localement et régionalement. Et donc, ces journées sont également dédiées à Digeste Science. Digeste Science, qui est une association qui travaille sur la recherche pour les causes des maladies liées au tube digestif, et entre autres la maladie de Crohn. Je passe sous couvert du professeur Desrubaud, que je remercie de venir me rejoindre, le président de cette association. Je passe sous son couvert, et d'après ce que j'ai retenu, c'est que cette maladie n'est pas héréditaire. Elle est liée à l'environnement, et que donc les recherches sont essentiellement vouées vers retrouver pourquoi l'environnement. Les Hauts-de-France sont malheureusement une des régions les plus touchées de France, et il y a 15% de la population qui est atteinte de cette maladie, invalidante et encore un peu tabou. Hein. Et j'ai vu également qu'il y avait une progression malheureusement de 4% par an parmi les jeunes. Et il y a même maintenant des nouveaux-nés qui arrivent au monde, même si ce n'est pas héréditaire, on peut se poser la question qui arrive quand même au monde avec cette maladie. Donc, t'entends pas ? Plus fort, ben oui, j'ai... Bon. Donc, cette association Digeste Science, j'ai souhaité que notre journée aujourd'hui, même si elle est festive, soit vouée à un geste envers cette association. Donc, certains clubs ont répondu à mon appel. Et j'avais également prévu, dans ma ligne budgétaire, donc une ligne pour aider Digeste Science dans sa recherche. Et aujourd'hui, je suis heureux, professeur, de vous remettre au nom des 1300 rotariennes et rotariens que je représente. Je rappelle que le district 1670, ce sont les 49 clubs des Ardennes, de l'Aisne et de la moitié du Nord. Je suis heureux de vous remettre ce don de 10 000 euros pour vous aider dans votre et pour ouvrir une maison des maladies digestives. Ce sera la première maison qui existera comme ça en France, pour mieux prendre en charge les malades atteints de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique. Je vous remercie encore et bonne appétit. Bravo! Donc comme cette journée se veut festive avant tout, donc nous allons poursuivre le repas tel que je vous l'ai annoncé. Vous avez peut-être vu qu'il y avait nous avons demandé à une société de mettre à disposition, il y a une vingtaine de jeux en bois traditionnels, dits jeux d'estaminet, donc qui sont à votre disposition. Donc vous pouvez en profiter. Et puis donc, pour votre information, aujourd'hui, nous sommes à peu près 240 personnes, il y a une centaine de voitures.